pense pas que vous allez bien nous entendre parce qu'on est près de la route. Et bah, on est où? Dehors. Bah, on est près de la route. Ouais. On vous en dit pas plus, vous n'avez qu'à nous suivre. On y va. On y va. Maintenant, vu Mélissa, pourquoi est-ce qu'elle a des oreilles? À votre avis? À vous de deviner. Donc voilà, on est arrivé. Oui. Et on est arrivé où? À... À Fac. Et oui, comme vous le savez, chaque année on vient parce que ça nous plaît. Et on espère qu'à certains d'entre vous, ça vous plaît aussi. Oui. Donc si ça vous intéresse, bah, continuez à nous suivre. Et si ça ne vous intéresse pas, bah, continuez quand même à nous suivre. Pour une fois, pas de costume. Oui, pour une fois, Mélissa n'était pas prête pour son costume, donc on est là en détente. Oui. Et sinon, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Oui. Et de liker. Liker les oreilles. Donc on y va. On rentre dans le monde des super-héros et des cosplayers et de tout, de tout, de tout. Oui. On y va? On y va. Il y a Factman. C'est qui Factman? Bah, c'est le A de Fact. Non, c'est le super-héros Factman. Ah oui, j'ai jamais vu. En fait, le personnage fait le A de Fact. Je peux pas tout voir, je regarde pas tout non plus, hein. Donc il est là. Ouais, par là. J'étais en train de dire par où on va. J'ai perdu Mélissa. Je suis là. Ah non, elle est là. Donc nous voilà, on est rentrés. Bon, bah, je vais mettre la caméra sur moi parce qu'elle veut pas venir. Et là, nous sommes dans les... chose spéciale de Star Wars. Ah non, Star Trek. Voilà, là on est à l'intérieur. Et Mélissa a vu Pikachu. C'est le Pikachu du film, il a sa casquette d'enquêteur. Et il y a Hulk, il y a Thor, Iron Man. Et donc là, il y a... Là? Tu m'expliques ce que c'est? Allô? C'est des ballons pour sauter. C'est pour bagarrer, des trucs comme ça. Super-héros Académie. Oh, donc si on suit l'Académie, on devient des super-héros. Regarde, là, il y a une route. Mais je te parle de Super-héros Académie, explique-moi ce que c'est. Ah bah alors, on va aller voir. Donc je suppose c'est une Académie. Et si on va dedans, on devient un super-héros. J'ai fait une bêtise. Je suis passée devant la caméra de papa. Désolée. Ouais, il y a un truc où il faut être là-dessus. Bah, tu peux aller faire toute seule, hein. Tu me vois aller là-dessus? Ouais. Mélissa, elle veut aller me faire sauter là-dessus. Je vous montre de loin. Elle veut me faire faire ça. Ça fait quand même 2 ans que je fais le The Beast. J'étais cassée. Alors... Il y a une maison hantée. Une maison hantée.
Hantée. Maison hantée. Hantée. Mais qui fait le peur. Thé qui que fait... tu bois. Non, le thé de l'alphabet. Qui fait peur. Ah, la maison hantée qui fait peur. You say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. En fait, comme je comprends sur celui-ci, donc l'extrême big roller, en fait, il faut passer sur un rouleau, c'est ça? Oui. Donc, il faut passer sur un rouleau et derrière, il n'y a plus rien. Non. Mais c'est déjà pas facile de monter sur le rouleau. Et Mélissa, elle est partie. Fais comment? Comme quoi, si les profs de Mélissa regardent notre chaîne YouTube, on ne sait jamais. Mélissa, elle est sportive. En moins de deux, elle est au-dessus. Ce que moi, je ne saurais pas faire. Regarde, je vais te montrer. Hein. J'ai vu, hein. Là. Là, c'est Mélissa. Maintenant elle n'y arrive plus. Maintenant elle n'y arrive plus, voilà. Donc, mais elle l'a fait deux fois. Bon ben, elle est partout et n'importe où, donc je ne sais pas la trouver. Ah ben elle est là. Elle passe au-dessus, en dessous, du coup je ne sais plus où elle est. J'arrivais plus à la trouver. J'arrive plus à te trouver, hein. Elle s'amuse. Cap ou pas cap de monter tout en haut? Oui. Oui. Elle est cap ou elle n'est pas cap? Cap, elle l'a fait. Donc pour Mélissa, on met des pouces bleus. Ah mais là c'est plus descendre. Donc Mélissa a fait le basket, le extrême, celui-ci. Est-ce qu'elle est devenue un super héros? Je pense pas. Elle a pas fait toute l'académie des super héros. Elle râle. Honnêtement, tu crois que t'es un super héros? Oui. T'as pas tout fait? Non, mais bon. Donc t'es un demi-super-héros. C'est pour ça qu'elle n'a que des oreilles de chat. Là on est allé faire... on est allé manger un bout. Et regardez, il est quelle heure? Il doit être midi. Vous avez vu ce monde? C'est énorme le monde qu'il y a. Maintenant on descend et on va aller voir quel futur cosplay on pourrait faire. Quel futur cosplay je pourrais faire? Mélissa, elle veut faire Cap-Nis. Et moi, avez-vous des idées pour que moi je fasse un cosplay? Caca. J'ai déjà fait Harley Quinn. Quel serait le prochain? Dites-nous en commentaire. I can feel it somewhere inside haunting. Like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating. And the air gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know. Eh ben, il y a énormément de monde. Et toi, que t'as déjà vu?
des trucs. Elle vient à Fact pour voir des trucs. Des bonbons. Des bonbons des années 80. Oh, on pourrait faire une haul. Des bonbons que j'ai toujours voulu essayer, mais que j'ai toujours non. On pourrait faire un haul là-dessus. Avoir les prix d'abord. Finalement, on n'a pas pris des bonbons pour faire une vidéo, parce qu'il n'y aurait pas assez. Mais on s'est pris trois choses. Oui. Et on essaiera tout à l'heure, dans la voiture, de goûter ça devant vous. Oui. Et M&M's caramel. Et ouais. Qu'est-ce que des petits bonbons, on ne sait pas ce que c'est. Non. Et quelque et chose pour papa. Du chocolat comme ça. Butter avec Oreo, quelque chose comme ça. On vous montrera ça tout à l'heure. Oui. Que du bruit parce qu'on est dans le monde du gaming. Il va te mettre à côté de lui, tu fais la même chose que lui. Who's a lunatic? Now most people are delightful, and I love a hug, but every now and again there might be someone who's got, you know, Edward Scissorhands, or like this gentleman here, who's clearly on community release for the day. No, sorry. Voilà, donc, on a fait un gros achat, et c'est papa qui va être content. Je vous montrerai tantôt ce qu'il y a dans la boîte. Et c'est pour qui? Pour moi. Mais non. Pour papa. C'est une grande boîte pour papa. Il va être content. Donc je vous montre ça dès qu'on rentre. Ma grosse boîte. Qui est presque aussi grande que moi. Allez, la moitié de moi. Oui. C'est Bliblets. Mais qu'est-ce que je raconte, Bliblets? L'effet Blitz. Waiting a new air, feeling like your grip might slip too soon. But I'm running, chasing speed and gunning. I'll be right there all of a sudden. I feel your heartbeat lead me straight to you. Voilà, là on vient de sortir. Évidemment, Mélissa elle a craqué sur un sac surprise et elle est trop curieuse. Elle veut pas attendre jusque tout à l'heure. Non. Elle est obligée, hein? Non. Elle veut l'ouvrir avant vous. Oui. Vous voulez pas savoir ce qu'il y a dedans? En surprise avec elle. Donc elle attend. Oui. Donc on vous reprend dans la voiture. Je vais essayer de la retenir jusque là. Et on essaye de voir les surprises avec vous. Non, tu... Nous revoilà dans la voiture. Oui. On prend une petite pause avant de partir pour mettre tous les sacs. Et comme la curieuse, eh ben elle est curieuse. Donc, on va ouvrir tout ça maintenant. Est-ce que ça va attendre jusque chez nous? Non. Non. Alors, elle a acheté... Une boîte de Fantastic Beasts. The Crimes of Grindelwald. Oui. Voilà, et apparemment, il y a un choix de 4 personnages, mais on n'en a qu'un seul. Bah oui, il y a 4 personnages, tu as la chance sur 4 personnages, voilà ce que je voulais dire. Vas-y, ouvre-nous tout ça. Oh, non. Oh, il est trop beau celui-là. J'aime bien parce qu'il est bleu, mauve. Oh, celui-là, il est pour moi. Non.
Ah ben moi je préférais quand même celui-là ou le vert, mais... Oh Camille. Et le body. Surprise. Le sac surprise. En fait, ils vendent pour 10 euros, 20 euros, 15 euros, des sacs surprise. Où dedans il y a peluche, badge, des choses comme ça quoi. Ah, une peluche. Sûrement un truc japonais si vous connaissez. Deux peu. Mais on avait dit on arrête avec les peluches. Bah oui, on n'a pas le choix dans les surprises, c'est ça. Ça va tranquille. Elle va pouvoir faire un snap. C'est pas ça? Bah ouvre-le. Les fameux snap là. Boum. Maintenant elle va pouvoir faire un snap en vrai. Ouais d'accord. Oui, si tu mettais le dessin peut-être à l'endroit. Mais non, je ne sais pas ce que ça signifie. Donc. Hé! Papa il a besoin d'un truc pour ses yeux quand il a ses migraines. Ça peut servir, non? Essaye de mettre sur les yeux, tu vois ça. Ouais, ça peut servir. Pourquoi t'as de la buée sur les lunettes? Donc, il y avait ceci, il y avait cela. Il y avait un chien pirate. Un porte-clé. Pins. C'est pas un pin. Ah non, un badge. Et un porte-clé. C'est tout? Oui. Et un porte-clé de Sui. Un groupe japonais à mon avis. Donc voilà. Ok, sac surprise. Sac de. Ils auraient pu marquer sac surprise de bébé. Sauf franchement, t'as 14 ans. Alors on a pris des M&M's, mais goût caramel. Donc voilà des M&M's caramel. Et alors on a pris ça aussi, je ne sais pas ce que c'est, il y a du chocolat. Cookie and cream, candy. Je ne connais pas. On a reçu des pèzes. Bon, ben ça tout le monde connaît, hein, ici en Belgique. Et alors on a pris ceci. Je ne sais pas ce que c'est. Alors ils sont un peu plus gros que les M&M's. En fait, autour c'est les M&M's, mais dedans, par exemple, à la place de la cacahuète, c'est caramel. C'est un caramel, quoi. Non, pas mauvais. À part que si vous avez problème dedans, ça colle. Hein. Oh, mais tu rigoles. C'est des bonbons de quoi, ça? Ça pite, 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 pite dans la bouche, non? Alors, le M&M's, je like. Il y a aussi mauve. Mais le caramel... Eh, mais pas tout! Bah quoi, j'en ai pris trois. Trop bon. Ouais, c'est bon. On bon, ouvre? Ah, ça va papa, je sais pas si... En plus, celui-là, j'aime bien parce que... Il a du bleu brillant, comme ça. Non, je sais. Packaging. Le bonbon. En fait, les bonbons, ils ont... C'est un bonbon et quand on le mord, et là, il y a le goût. Mais c'est tellement petit que... Bon, pas l'intérêt, quoi. En fait, c'est du chocolat blanc. Avec des Oreos. Ça, après, les bonbons. Et fondu. Bah, c'est un chocolat blanc, un Oreo, quoi. Donc, nous avons vidé ma bouche. C'est trop bon. Bon. Alors, sur les trois... Le fameux chocolat Oreo, les M&M's et les bonbons, bah pour moi, c'est les M&M's. Les trois. Ça, évidemment, la gourmande. Mais, si vous avez l'occasion de tester... Vite, pas perdre, très vite. De tester les M&M's caramel, si vous avez des soucis de plombage, faites attention. Donc voilà, c'est ici que se termine la journée fact. Ah oui, et si vous voulez savoir ce qu'il y avait dans la fameuse boîte... Eh ben pour ça, allez sur notre Instagram qui est ici. Et le t-shirt, elle a un t-shirt, vous voulez savoir? Sur notre Instagram. On ira vous mettre tout ça là-bas. Oui. Ça fera une deuxième surprise en plus. Instagram, angelsvlog05. Et vous en saurez plus. Oui. Ici on vous dit plein. On vous dit plein de gros bisous. Ça se dit. On vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit. Comment j'ai fait? Et on vous dit à la semaine prochaine, à mercredi, dans la prochaine vidéo. Bye!